Armés de stickers fluorescents, les jeunes agriculteurs font la chasse à l'étiquetage, parfois trompeur. Ici, dans cet hypermarché, décoder l'origine des viandes peut être un véritable casse-tête. Je ne sais pas si c'est la viande vient d'un autre pays, s'il n'a pas été transformé simplement en France. Au niveau de l'étiquetage, ce n'est pas très clair. Les termes qu'ils emploient, on ne sait pas exactement si c'est élevé en France ou pas élevé en France. À ce casse-tête, il faut rajouter la proximité des produits. C'est complètement tricheur, puisque vous regardez la palette de porc, les deux sont au même prix. Et le problème, c'est qu'il y en a une qui est viande française et l'autre viande de nulle part. On ne sait pas, elle vient de l'Union européenne, on ne sait pas d'où. Un étiquetage quasi invisible qui pousse les consommateurs, même ceux qui mangent Made in France, à acheter des produits étrangers. Il y a toutes les courses à faire et puis on ne peut pas s'arrêter à regarder toutes les étiquettes. Au rayon laitage, même constat. Alors la traçabilité, on sait que c'est mis en brique en France, dans le 42, dans la Loire. Mais on ne sait pas si le lait vient de France ou pas. Et origine non connue. Direction maintenant, un hard discount allemand. Du côté des yaourts, c'est presque un zéro pointé. Mais la bonne nouvelle vient de ce rayon. La plupart des viandes fraîches sont françaises. Mais là encore, dans les produits transformés, se cachent des erreurs. C'est le mensonge aux consommateurs, en fait. Parce que justement, cette viande... Elle vient de... On ne sait pas. En fait, il n'y a pas d'origine non plus. Dernier arrêt, une autre grande enseigne d'hypermarché. Même constat. L'heure du bilan vient de sonner. Les jeunes agriculteurs souhaitent une transparence dans l'étiquetage.